Bon, les abonnés, vous avez été très nombreux à me recommander ce tout nouveau jeu, Bob l'éponge. Mais vu la tête qu'il a, Bob, eh bien, je sais pas si je dois vous faire confiance. Ouais, du coup, je sais pas trop si on doit démarrer le jeu ou bien partir. L'hésitation est palpable. Je vais partir, ça sera mieux, voilà. Allez, non, bien évidemment, nous allons tester ce jeu de folie. C'est parti. Donc, si j'ai bien compris le jeu, les amis, nous allons aller à Krusty Krabs. Et what? C'était Patrick, ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'était un jour normal à Bikini Bottom. Nous avions faim et nous cherchions un bon burger. Donc nous avons décidé d'aller au restaurant Krusty Krabs, bien évidemment. Et je vais m'en mettre plein le bide. Wow! C'est tellement bien fait, les amis, c'est trop classe! Et ça, c'est Carlo, j'imagine! Salut Carlo le poulpe, ça va, mon pote? C'est donc ici qu'on va pouvoir commander notre premier burger. Très bien, alors comment ça se passe? Il y a déjà un client, salut mon pote! What? Ok, lui, je crois que faut pas l'approcher, apparemment. Qu'est-ce que tu vas faire, ma sardine? What? Ok, ok, c'est bon. Je te laisse tranquille, je vais aller commander. What? Calme-toi. Carlo, du coup, j'aimerais un petit burger. Bienvenue au restaurant Krusty Krab. Que puis-je faire pour vous? Bah écoutez, j'aimerais un peu... What? Ah, attendez. Quoi? Ah, j'ai pas le choix, en fait. Je vais prendre le quatrième, c'est le même, mais ok, tout va bien. J'aimerais un human patty, please. Vas-y, fais-moi ça. Trouve une place et je te dirai quand c'est prêt. Ok, très bien. Alors, on va éviter l'autre côté. On va se mettre là, je pense que c'est une très bonne solution. Comme ça, on a l'autre en vue au cas où il nous attaque. Hop, on se met là et... Ah, je suis posé. What? Patrick, qu'est-ce que tu fais là? Carlo? Qu'est-ce qu'il... Ah, on peut bouger. Oh non, il s'est endormi, lui. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça va, mec? Oh, ça y est, j'ai bougé. Oh, il est parti. What? Attendez, on va aller voir machin, je crois qu'il a eu un problème, hein. Carlo, je crois qu'il y en a un qui a eu une indigestion alimentaire. Salut mec. Attendez, mais c'est du sang? Non, c'est plus du sang. Ah, cette personne voulait dormir dans le ketchup. Ah d'accord, ça semble fun. J'essaierai ça plus tard. Je suis pas sûr que ce soit du ketchup, hein. Attends, ça va mec? Allô? Non, ça a pas l'air d'aller. Bon, très bien. On va revoir Carlo, je sais pas où est-ce qu'il est parti, Patrick, et on va commander... Ah, ok. Est-ce que mon human patty est prêt, mon pote? C'est presque prêt. Mais nous n'avons plus de patty, donc ça va durer un petit peu de temps. Le patty, c'est quoi? C'est le pain burger, c'est ça? Est-ce qu'il y a moyen d'aller un petit peu plus vite? Tu sais, je suis un client pressé, moi. Tu peux aller dans l'entrepôt pour aller en chercher. Ah, fais attention, il fait très noir à l'intérieur. Et quoi que tu fasses, ne va surtout pas dans la pièce au fond du corridor. C'est quoi ce délire? Je me retrouve à bosser maintenant pour Carlo. C'est incroyable, ça. Bon, bah, très bien. On va y aller, on va aller voir ce que ça donne. Wow. Changement d'ambiance totale. Alors, E pour Interact. Ah. I have to get a patty before exit. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Ben ouais, j'y vais. Très bien, on y va. Donc surtout, il ne faut pas aller à la porte au fond du corridor. Ah oui, mais il y a que ça, en fait. Attendez, c'est cette porte dont il parle? Je sais pas. Hop là. Alors, c'est bon. Hop, ok, c'est refermé toute seule. Patrick? Ah, là, c'est fermé. Patrick? C'était toi, ça? Oui, il y en a plein là. Oh, c'est un petit peu le steak, ça. C'est le steak ou le plum burger? Je comprends plus rien, moi. Attendez, je peux pas en prendre plusieurs. J'en prends qu'un seul. Les autres clients, ils vont se faire boire. Alors, oh, un pied de biche. Ouais, 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 ça pourrait servir. Poubelle, ok, très bien. Je le sens pas, ce qu'il y aura derrière la porte, là. Faut bien. Attendez, je tente. Ah, ok. Ah, c'est cette porte, faut pas aller. Oh, il y a eu du sang, là. Ah, c'est du ketchup. Ah, ouais, ouais, d'accord. C'est la pièce du ketchup, celle-là. Très bien. Et là, on peut y aller ou pas, là? Ok, ok, referme. Non, on va aller, je vais aller ramener le pain burger. On va voir ce que ça donne. Je suis pas sûr qu'il faille y aller au fond là-bas. Attendez, je vais ouvrir. Oui, c'est bon. Ok. On n'y a pas été, c'est une très bonne nouvelle. On va pas mourir et on dira jamais. On dira jamais. Là. Tiens, mon pote, c'est pour toi. Bon, t'as réussi à prendre un petit patty. Bien joué, bien joué. Maintenant, va dans la cuisine et mets-le sur le grill. Non, mais je rêve. C'est un truc de fou, ça. Il veut que je fasse tout. Mais du coup, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la porte là-bas au fond? On verra ça tout à l'heure. Je suis quand même curieux de savoir. Mais attendez, mais c'est moi qui vais faire le pain, mais c'est incroyable. Enfin, le burger. C'est un truc de fou. Bon, bah, c'est parti. Hop, sur le grill. Et c'est parti. C'est en train de se préparer. Ah, il faut prendre le pain maintenant. C'est incroyable, moi. Je suis juste venu manger, hein. Patty first, ok. Je vais prendre ça. It's not ready. Ah, il faut que j'attende. Ok, très bien. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour l'instant? Ah, c'est prêt? Oh, parfait. On met ça ici et let's go. On a notre premier burger. Et on va aller le manger, je pense. Bon, j'ai besoin d'aller le voir, je peux les mettre. What? What? Patrick? Qu'est-ce que tu fais, Patrick? On dirait qu'il a les dents de Huggy Wuggy, c'est quoi ce délire? Bon, très bien. Carlo, c'est bon? Assieds-toi et déguste ton human pochi. Ok, très bien. Je vais me mettre en surveillance avec Patrick parce que... Ah, sardine, elle est partie, c'est du ketchup maintenant. Alors, ah,
Faut que je mange, mais j'ai pas envie de perdre de vue, machin. Hop là. Oh, c'est le bruit de Minecraft. Bon, ça a été très rapide, de toute façon, je veux pas rester là. Hein. Ah. Ce burger a le même goût que quoi? Que les orteils de ma grand-mère? Qu'est-ce que c'est que ce délire? 78$ alors que c'est moi qui fais le burger. What? Et j'ai dit 87... Attendez, il a bien augmenté là, 87... Non. Pourquoi c'est aussi cher? Écoute mec, ça doit être une erreur. J'ai seulement commandé un simple burger. J'ai dit c'est 98$. S'il te plaît. Ok, calme-toi Carlo. Je n'ai pas 100$ dans ma poche. J'ai actuellement 35$. Donc tu viens de dire que t'as pas assez d'argent pour payer le burger? Ouais, c'est ça. Non, je veux dire que j'ai l'argent à la maison. Je peux y aller et revenir ici si tu veux. Donc tu viens de dire que t'as pas la thune pour acheter le burger? Bah oui, je viens de te le dire mec. Mais c'est en train de se répéter là, c'est pas possible. Je viens de te dire que j'ai pas 100$. Ouais, très bien. Qu'est-ce que c'est? What? Qu'est-ce qu'il fait là lui? C'est quoi ce délire? Attendez, je suis où là? Wow. Je croyais que j'étais mort. Je suis enfermé. Oh. Est-ce que c'est pas la pièce du fond qu'on a vue tout à l'heure? Je sais pas, il y a un code là. Ah. Oh, une énigme. Ok. Poisson, étoile, carré rond. Ah, c'est les Squid Game. Ok. La carcasse. Oh, Plancton. Il faut le sortir. Ah, ça va mec? Est-ce que tu vas bien? Pourquoi t'es bloqué dans une cage? Ah, j'ai essayé de piquer la formule secrète, mais j'ai raté, effectivement. Et Monsieur Crabbe m'a mis là-dedans, très bien. Ah. Et toi, pourquoi aussi t'es bloqué dans cette pièce? Est-ce que tu as essayé de piquer la formule secrète? Non. Moi, j'avais juste pas assez d'argent pour payer le burger, mon pote. Ouais, je sais. Mr. Crabbe est vraiment une très mauvaise personne. Bon, peu importe, je vais essayer de te sauver, mon pote. Non, je te conseille de pas essayer. Monsieur Crabbe a bloqué la cage et il a avalé la clé. Mais bonne chance quand même. Ouais, t'inquiète pas, je vais y arriver. Je vais trouver ça. Alors, comment ça se passe? C'est quoi ça? Ah, deux petites balles à l'intérieur. Très bien. Tes caisses? Ouais, très bien. C'est pas très utile pour l'instant. Alors, le code. Comment on va pouvoir faire? Ah, regardez, il y a une étoile ici, là. Ok, il y a trois poiscailles. Et là... Oh, ah non, il y a deux étoiles. Il y a que deux étoiles. Très bien. Deux étoiles et il va me manquer quoi? Ah, les box. Ah ben attendez, les box, il y en a 3 ou 4 là. On va dire 3 et une quatrième là. Ça devrait être ça. Bah c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut là. Ah, T. Faut que j'appuie sur T. Ok. Donc on a dit 3 poissons. Y. On a dit il y avait 2 étoiles. Des box, je crois qu'il y en a 4. Et les ronds. Les ronds, c'était quoi déjà? Ah, c'était les 2 balles. Ok. Il y en a 2. Voilà. C'est bon ou pas? C'est ouvert? Alors? Non. Alors attendez, du coup, c'est. Il y a sûrement une petite caisse qui est cachée sous les autres. Voilà, 5. Ah, c'est bon, ça a marché. Let's go. On peut y aller. Alors. Oh, on est de retour ici, mais du coup, on a accès à cette salle-là, mais est-ce que... Attendez, le conduit, il y était tout à l'heure ou pas? On peut aller voir là, maintenant? Ah. Ah non, je dois sauver le petit bonhomme, le petit plancton là-bas. Comment je pourrais faire? Alors attendez, il faut trouver la clé, mais si Mr. Crabbe la vallée, pas sûr qu'il ait recraché, hein. On va regarder dans toutes les boxes. Le petit biche. Oh, ça pourrait être utile. Ah, on peut ouvrir la poubelle ou pas? Non. Par contre, est-ce que j'ai moyen? Ah, je peux peut-être le péter le cadenas comme ça, là. Allez, on va tester. Yes. Il est là. Oh, yes. Ah, salut mon pote. Tu peux me dire merci, mec? Ah, c'est moi, il me dit merci. Essayons de partir d'ici. Il va me suivre ou pas? Oh, c'est mon pet, c'est trop génial. Viens par là. Viens par là. Je sais pas trop si c'est une bonne idée, mais est-ce qu'on peut aller là maintenant? Non, on peut pas. Très bien. On va retourner à l'accueil. Est-ce que t'as 100 balles sur toi? Parce que j'ai besoin de payer, moi. Ah. On peut pas partir par là. Ok, on va partir dans la salle de l'horreur là-bas. La salle du poison. Alors, ah, je dois remettre... D'accord, il faut que je passe le levier de biche, où est-ce qu'il était? Voilà, il était là, voilà, c'est bon, c'est fait. J'aurais bien gardé, moi. Tu passes derrière les portes depuis quand, toi? Donc, c'est parti, la pièce, poison, t'as ton basque de protection? Je le sens pas, lui. Non, y a rien là-dedans, très bien. Hein? Qu'est-ce que c'est, ça? Un store? Et là, c'est quoi, un coffre-fort? Ah, c'est la recette! C'est la recette! Donc ici, nous avons un vrai code, sauf qu'on n'a pas de symbole. Donc il va falloir trouver sûrement des numéros quelque part. Ah, j'ai envie de tenter au hasard, mais je crois que ça va pas marcher. Alors, je suis sûr qu'il y a des numéros sur les caisses à l'entrée là-bas. Là. Alors, attendez, faut regarder dans les murs. Et là, enfin, sur les murs, il est parti où, lui? Ça va, mec? Tu peux chercher le code pour moi? Je suis sûr qu'il y a le code qui est quelque part ici, là. Non, il y a rien du tout. Bon, au pire, on va revenir en arrière parce que je vois pas du tout où est-ce que ça peut être, là. Hein. Peut-être dans le conduit, non? On va retourner ici, mais je suis pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit. Si ça se trouve, c'est le même code qu'ici. 3252. Je le sens pas, les amis, là. Je le sens pas du tout. Y a pas un code ici. Ah, y a absolument rien. Oh non, il faut pas compter les burgers, quand même. Ok, on va retourner peut-être dans le resto, ici. Oh, on avait pas accès ici. On avait pas accès. Tu fais flipper, toi. Tu peux rester à l'écart. Oh, attendez, on va aller sur l'ordinateur. What? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'on fait? On va aller sur... Ah, mais all password. Oh, c'est un lien pour avoir accès... Non.
On s'est fait récrole, les amis. Ah, 5. Ok, Sam, 5. 5-0, très bien. Le prochain, 8, ok. 508, 508, 508, 508, 508 et... 508, 9. Très bien, c'est bon, j'ai le code. Allez, viens là. Viens là, là. 508, 9, 508, 9. Ok, je le sens pas, je le sens pas. Je sens qu'un truc va arriver. Je sens qu'un truc va arriver. Non, c'est bon, ok. 508, 9. Ok, alors. 508, 508, ok, 9, 9. Tac, comme ça. Parfait. Wow. Yeah, c'est la formule secrète. J'ai juste voulu manger un burger et je me retrouve avec la forme. Mais il va me posséder, il va péter un plomb. Qu'est-ce qu'il dit? Je te laisse si tu veux la formule secrète, mais t'as pas 100 balles pour moi? What? Il faut tracer! Oh, oh non, j'ai pas une éponge! On trace! J'ai lancé! Run! Go! Il est derrière ou pas? Bah non. Bah, allô? Ça va, Bob l'éponge? Il a pas l'air très rapide, hein, Bob l'éponge. Hein. Ok, on va quand même tracer, c'est parti! On trace! Ça va se refermer? Non, c'est bon. Ok, à gauche, parfait. Il est derrière ou pas? Non, même pas. Mais il est trop nul ce Bob l'éponge, il est où le noob? Ok, par là. Ah la 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 la. Ok. Ah, vite, vite. Ça va nous retrouver. Eh, t'es sacrément musclé, hein. Waouh. Il est incroyable. Par là. Ici, y'a rien. Toujours un couloir. Ok, c'est bon, on l'a devancé. On passe par là. À tout moment, il se retrouve devant nous, hein. Ok. Par là. Je sais pas si je vais au bon endroit. Hein. Écoutez, bon, peu là. Ah non, on peut pas. Y'a un code. Quoi? Cette bête. Hein? Quoi? Ah, il faut que j'écrive grec. Ah. Oh, mais ça va être trop chaud, ça. Ok. Non, c'est fermé, là. Ah, il est là. Ah. Ok. Ouh. J'ai l'impression. Oh, mais il faut que je refasse tout le tour. C'est juste abusé. Oh non, c'est un cul-de-sac. Ok, par là. Ah, on n'a pas été là. Oh, il y a un broyeur. Ah, j'en ai oublié que c'était dans le broyeur. C'est parti. On n'a pas réussi à faire le code. Est-ce qu'on a perdu la partie? Comment ça se passe? Oh! 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 On va manger! Bien sûr que je suis très bon. C'est parti! C'est Patrick qui va me manger! Ah d'accord! C'est ça les hamburgers, les burgers en fait! Mais what? Merci d'avoir joué! Bon, en tout cas, les amis, c'était un super jeu. Merci de me le recommander. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. On se dit à la prochaine. Salut à tous, c'était Redkill et paye tout le monde.